Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, alors votre chaîne YouTube a quand même beaucoup de mal à recruter des abonnés. Hein. Pardon de vous le dire, Madame Gossien, mais ce n'est pas vrai. Ah. Nous avons bon nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Faux ! Salut ! Alors moi je voudrais rectifier en fait, 7000, c'est peu. Jean-Luc Mélenchon par exemple, il en a 370 000. Pardon de vous le dire, jeune homme, mais qui êtes-vous ? Personne ne vous connaît ici. Faux ! Alors moi je suis Norman, j'ai 10 millions et 410 000 abonnés. Donc à mon avis, ce que tu devrais faire, c'est des vidéos en rapport avec toutes tes mesures pour tout expliquer toi-même. Vrai ! Ah ça y est, j'ai compris le truc. Pardon de vous le dire, Norman, mais cette idée, c'est comme le crâne de Gérard Colomb. C'est brillant. En revanche, vous savez que 7000 abonnés aujourd'hui, c'est peu. Mais dans 4 ans, ça sera tout bonnement énorme. Et oui, avec toutes les mesures que je vais prendre, je ne sais même pas s'il restera encore 7000 Français qui pourront se payer l'électricité et une connexion Internet. Merci Bonne beaucoup, journée. Monsieur le Président. Merci, Nicolas Mais Sarkozy. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau ridicule, Madame Gossien? Bah, je ne sais pas, c'est un côté co-girl. Voilà, je suis un peu faux-folle ce matin. Nicolas Sarkozy, vous êtes le parrain d'une campagne contre le cancer des enfants. Bonjour, Madame Gossien. Bonjour, Nicolas. Dites donc, ça fait longtemps que je n'étais pas venu dans votre studio. Là, ça sent un peu le renfermé. Bah, hein. Merci. Ah non, autant pour moi, je n'avais pas vu que Monsieur Spano était là. Mais, hé En tout cas, comme vous l'avez vu, je suis le parrain d'une association contre le cancer des enfants. Au début, je voulais aider une association contre le cancer des cordes vocales et puis je me suis rappelé que j'avais déjà acheté l'album de Carla. Non mais, c'est important comme cause. Et puis depuis que Madame Bettencourt n'est plus là, il faut trouver des dons, tout ça. Hein. Ah bon, c'est-à-dire que Liane Bettencourt faisait des dons à cette association? Ben non, elle faisait des dons à moi. Du coup maintenant, il faut que je trouve des solutions. Et les enfants malades, c'est bien parce que déjà je fais leur taille. Puis, vous trouvez pas que j'ai l'air un peu pâle, Madame Gossien? Un petit peu. Vous voulez pas faire un don, Monsieur Spano? Ben non. C'est pour la bonne cause. Ben non. Tous les fonds seront entièrement reversés à un enfant malade. Mm-hmm. Pauvre Nicolas, merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Cyril Hanouna qui reçoit Franck Dubosc. Hey, salut mes petites beautés. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça va. Aujourd'hui, hey, on est avec Franck Dubosc qui va nous parler de son nouveau film Toujours debout. Ça va toi? Ça va? Sourire Laurent Carré, ça va? Ça va Franck? Hey, bonjour public. Oui Cyril, c'est un film qui parle de la difficulté d'être handicapé en France. Merci Franck. Mais d'abord, on a un petit truc à régler puisque hier, Agathe Oprou a quitté le plateau parce qu'elle s'était pris la tête suite au départ du plateau la veille d'Isabelle Morini-Bosque qui s'était embrouillée 2 jours avant avec Maxime Guény qui avait quitté le plateau et il y a bon Benji Castaldi qui voulait réagir je crois. Oui, pardon Cyril, mais c'est tout pourri. Hier, Agathe m'a traité de facho, et ça c'est inadmissible. Je me casse de ce plateau, bande de cons. Non mais attends, hey Benji, mon chéri, calme-toi. Sans déconner, on vit un moment de télé de ouf, les chéris. Et donc Cyril, c'est un film touchant qui vise à raconter le quotidien amoureux des handicapés. Ouais, super Franck. Mathieu Delormeau, qu'est-ce qu'il y a là Mathieu? Vous avez l'air en rasera. Ah non mais moi, mais je... Pardon, mais je supporte pas d'être traité de con. Ça me... Je suis désolé, Cyril, mais je quitte ce plateau immédiatement. Et donc, Cyril, moi, dans ce film, je voulais faire passer un message d'espoir pour le... Non, mais attendez, là! Non, mais j'ai mal à mon TPMP, là! C'est insupportable, ce qui se passe! Moi, je supporte pas les gens qui se barrent comme ça. Si c'est comme ça, je me casse. Eh non, Gilles Verdez, sérieux, mon bébé, vas-y, reste! Eh, c'est énorme, ce qui se passe, sans déconner. Ne zappez pas, là, parce que là, c'est énorme. Eh, tu venais pour quoi, toi, Franck? Pour parler de... Non, mais en fait... Je vais me foutre une tarte à la crème sur la tronche et une plume dans le cul. Oh, ça va être énorme, les chéris. Allez, vas-y, Franck. Franck qui On va être en darka de ouf, les chéris, juste après la pub. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est en spectacle à Paris en ce moment. Il est à Rennes ce soir et il sera en spectacle au Casino Joa à la Seine-sur-Mer le 9 mars. Sinon, tous les matins sur RFM à 8h15. Pour le moment, on écoute ensemble Francis Cabrel.